Bonjour à tous et à toutes. Shabbat Shalom. Alors, je voudrais dire quelques mots en plus de ce que j'ai dit la dernière fois, dans ma dernière intervention vidéo. Donc, vous verrez un peu avant la dernière intervention que j'avais faite, si vous voulez un complément, ce que je vais dire aujourd'hui, au sujet de l'éclipse. Donc, je rappelle simplement que j'avais parlé de la Lune et de Mars, qui sont donc en opposition au Soleil. La Lune est conjointe à Mars, à 5 degrés du... la Lune, donc, se trouve à 5 degrés du Verseau. Mars à 3 degrés, il est rétrograde, donc étant rétrograde, il gère le passé, c'est-à-dire il commande ce qu'on appellerait le karma, quelque part, et le nœud karmique se trouve à 5 degrés juste au-dessus. Ça veut dire que, attention, ne croyons pas que dans le temps, c'est uniquement ce qui arrive maintenant qui est considéré, c'est aussi des choses qui ont été dans les temps précédents, historiquement. Bonjour à tous, à tous les amis qui me disent bonjour, là, salut Sandra, salut Marc, et les autres, hein, bien sûr, énumérer un par un. Et puis donc, ce retour en arrière, c'est-à-dire c'est en fait une réactualisation de la période précédente, on pourrait dire quelque part la destruction du temple qui est en train de se manifester. Il y avait eu une éclipse aussi un peu avant la destruction du temple, c'est pas pour rien. Et cette éclipse-là, elle est très importante, comme je l'ai dit, d'abord parce qu'elle se trouve en tant qu'éclipse lunaire pleine, quand la Lune est pleine et entière, et en plus dans le signe du Verseau, qui est le signe du renouvellement, si on parlerait au niveau mensuel, mais qui est aussi le signe du renouvellement au niveau global, quand là, il s'agit de l'ère du Verseau. Donc ça prépare à une nouvelle naissance, comme l'a dit notre très cher ami Florian, dans son podcast. Donc, il faut savoir que le signe du Verseau est géré sous la dépendance de la planète Uranus, qui symbolise aussi le souffle saint, quelque part, puisque Uranus gère et commande le côté qui est lié à la respiration, et selon le Sefer Yetzirah, et donc on l'appelle aussi, on l'appelait à l'époque Kohav HaGi, la planète du Gi. Et la planète du Gi, c'était Uranus, même quand avant qu'Uranus n'ait été découverte à l'époque où on l'a découverte il y a une centaine d'années. Uranus a provoqué tout cet essor technologique, et donc il faut savoir que derrière ce renouvellement, c'est aussi un renouvellement au niveau de la technologie. La technologie, c'est vrai qu'on est sous une technologie plus ou moins, disons, contrôlée par des médias et par des êtres très maléfiques, hein, qui sont derrière cette technologie. Il y a des choses très bien derrière la technologie, derrière l'informatique, derrière la recherche en général, mais il y a aussi des aspects très négatifs, parce qu'il y a des gens qui profitent de ces bienfaits technologiques pour essayer de créer une sorte de gangstérisme beaucoup plus vaste que le gangstérisme qui était l'époque des braquages, l'époque des casses au premier niveau. Voilà. Donc là, c'est l'insertion dans la vie privée des gens, c'est la recherche de pouvoir... rechercher chaque personne où elle se trouve. Alors bien sûr, ça a du bon, mais ça a du mauvais. Ça a du bon lorsqu'on est pratiquement sûr que la personne est un terroriste, qu'on n'a pas des preuves selon les notions de preuves, ou qu'on sait que c'est un gangster, mais qu'on n'a pas de preuves selon les normes des preuves, hein, qui des fois ne sont pas très, très forcément correctes vis-à-vis de la justice réelle. Mais disons que bon, c'est comme ça que ça a été adopté, et donc en fait, derrière ces technologies, à partir du moment où c'est vrai que c'est utilisé vraiment, vraiment contrôlé, qu'on ne n'outrepasse pas certains domaines de la recherche,
ça va, mais à partir du moment où il faut mettre des lois là-dessus, il y a des lois à mettre. Or, la technologie que nous avons, c'est vrai que c'est une technologie bancale plus ou moins satanique. Donc, il faut, pas complètement satanique, mais à moitié satanique, c'est-à-dire avec des côtés positifs, mais énormément de côtés négatifs, et que là, il faudrait une police Internet, il faudrait une police de tout ce gangstérisme et ce terrorisme, informatique qui se fait. Hein, oui, alors donc là, à ce niveau-là, il y a une inversion des processus, c'est-à-dire que la technologie qui était valable jusqu'à l'heure actuelle, c'est pas qu'elle n'est plus valable, mais on va commencer à accéder à une nouvelle forme, si on voulait dire, de contrôle de technologie. Alors peut-être que ça va amener chez l'humanité à une conscience que certaines vidéos qui sont placées sur des sites tout à fait reconnus, acceptés, vont disparaître parce qu'elles poussent les gens à la haine et que ça ne fait que manifester beaucoup plus étendre le virus de la haine à se propager. Donc à ce niveau-là, il faudrait une police internationale, mais une police qui agit vraiment, qui ferme certains sites, qui ferme des sites qui rentrent dans la vie privée des gens, qui espionnent perpétuellement. Et toutes ces choses-là, eh bien, il faut que ce soit qu'il y ait un respect à un certain niveau. Quoi, voilà. Maintenant, en dehors de cela, alors on va voir que Uranus, lui, se trouve exactement sur le degré 2 du taureau, mais il est donc très proche de la fin du bélier, et dans la maison 1, qui est la maison de l'éclosion du moi, donc le moi est en plein renouvellement, on pourrait dire le moi de l'humanité, au moment de l'éclipse, prône qu'il va y avoir dans l'humanité un grand renouvellement, une grande prise de conscience, même au niveau de la technologie utilisée, des bienfaits, de ses méfaits, et peut-être plus de plaintes du peuple vis-à-vis des États, de façon à ce qu'on force plus ou moins la main à ceux qui, soi-disant, dirigent les États, pour je dis soi-disant parce que des fois, ceux qui dirigent les États, c'est que des marionnettes devant d'autres personnes qui sont derrière, qui les forcent plus ou moins à faire ce qu'ils font. Donc, c'est à partir du moment où le peuple conteste, eh bien, effectivement, peut-être qu'il y a plus de réveil dans le peuple, eh bien, on pourra mettre effectivement des limites à la mauvaise technologie pour passer à une bonne utilisation de la technologie, ce qui représenterait un tikkun effectif, ou un tikkun, c'est-à-dire une réparation effective sur l'arbre de la science du bien et du mal qui est signé Apple au début de l'informatique. Bien évidemment, Apple, c'est pour rappeler la fameuse pomme qu'avait mangé Adam dans la terminologie judéo-chrétienne, disons, l'interprétation judéo-chrétienne de la Bible. Et donc, plus chrétienne, bien sûr, puisque c'est venu à partir des traductions et des interprétations des traductions. D'accord. Donc, à partir du moment où on est conscient de cette chose-là, on va voir que Uranus n'est pas loin du fameux astéroïde représentant la beauté, Vestar, la beauté, qui va représenter donc cette espèce de beauté d'ascension dans la notion de renouvellement de l'humanité dans son domaine technologique, dans le domaine de l'avance, on pourrait dire technologique, qui va avancer avec une certaine morale en même temps, qui va être une belle morale qui va commencer à accompagner, si vous voulez, l'évolution technologique humaine. Alors à ce moment-là, il y aura moins de raisons que les forces de rigueur qui s'opposent au développement de l'homme se mettent au milieu et disent « oui, l'homme ne mérite pas finalement ce qui lui est donné ». Parce que telle et telle et telle chose, voilà, regardez comment il détourne tout ce qu'il a, et c'est vrai, vous le savez, donc c'est l'évidence, donc ça ne sert à rien d'être commenté autrement. Alors maintenant, on va voir que l'astéroïde
ici Chiron, Chiron qui représente la clé, se trouve exactement sur la pointe de l'ascendant au moment où va commencer l'éclipse. Alors là, c'est vraiment très très fort et très important, hein, et d'autant plus que il est proche de Altaïr, hein, et donc qui représentera l'œil de l'aigle qui voit au point et la perspicacité. On sait que Chiron est le symbole du tikkun, c'est-à-dire de la réparation des choses, et de la véritable teshuvah, pas la fausse teshuvah, pas le faux repentir qui est par remords, mais le repentir qui est en prise de conscience de l'erreur qu'on a fait, en volonté réelle de ne pas de réparer les erreurs ou en les corrigeant. Là, ici, nous avons Chiron qui se trouve en 2 degrés rétrograde du bélier, qui va véritablement fort aller dans le sens de pousser certains membres de l'humanité qui auront réalisé cette prise de conscience à vivre en eux cette espèce d'éclosion de germe messianique qui est en chacun de nous, de façon à réaliser en lui ce qu'on appellerait symboliquement une espèce de Pâques, ou de Pâques réelle, de Pâques symbolique, hein, qui serait la réalisation de la compréhension du sacrifice de l'agneau et de véritablement aller jusqu'au profond de lui-même pour chasser et extirper le mal en se combattant lui-même plutôt qu'en combattant à l'extérieur, parce que finalement l'extérieur c'est qu'une apparence et un reflet de quelque part ce qui se passe en nous. Pour chacun c'est comme ça. Alors bien sûr, l'évolution psychologique globale de l'humanité va se faire et le karma de l'humanité va pouvoir se corriger, puisque dans le signe du poisson qui est ici au-dessus de l'ascendant, hein, et qui précisément, donc en maison 12, qui est la maison du karma en général, hein, eh bien, se trouve Neptune qui, lui, va représenter la maîtrise spirituelle sur le karma, c'est-à-dire que certains individus vont se réveiller, vont comprendre, et vont comprendre que certaines de leurs erreurs ne résident pas forcément dans cette vie, mais peut-être ont des relations avec leur vie antérieure. Et cette prise de conscience est d'un côté troublante, parce qu'elle va provoquer des remous chez les individus, hein. Ils vont commencer à se sentir des fois coupables de quelque chose qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont coupables. Et pourtant, oui, parce qu'il y avait peut-être dans les restes de certaines mémoires antérieures reléguées dans ce qu'on appellerait la zone de conscience, de ce qu'on appellerait l'objecteur de conscience qui est en nous, qui se trouve dans le secteur 12, si on pourrait dire, de notre conscience, et là-bas sont consignées toutes les erreurs du karma ou les erreurs qu'on a pu commettre dans les vies antérieures qui nous poursuivent, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que la notion de temps en tant que linéaire, c'est vrai, c'est une première vision des choses, mais le véritable temps n'est pas forcément linéaire. Toutes les choses que l'on fait se passent au même moment. C'est-à-dire tous les temps sont ensemble. Voilà, donc dans cette conscience-là, on pourrait dire que ici, on est là pour faire le bien et pour corriger, et on est le point central de la correction, mais alentour existent d'autres zones dans notre conscience où nous sommes dans d'autres temps et peut-être nous faisons certaines erreurs que nous n'aurions pas dû faire. Donc que chacun prenne conscience de cette chose-là et la capacité, si on pourrait dire, de lumière émanant des anciennes incarnations, si on prend la ligne de temps comme ça, mais si on prend la ligne de temps comme, non pas comme linéaire, mais comme omnipotente et omniprésente dans le présent se manifestant, alors à ce moment-là, ces étincelles vont converger vers le lieu central qui va être le lieu du tikkun. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que je vous révèle aujourd'hui. Et c'est ce que cette éclipse est censée amener comme une espèce de prise de conscience de l'humanité. Et là, donc, progressivement, les gens vont commencer à travailler à la réparation. Et c'est très bien exprimé par le fait que autant Vénus que Mercure vont se trouver dans la maison 6, qui est la maison du travail, mais aussi du travail sur soi et aussi, quelque part, du travail à accomplir pour
corriger, si on pourrait dire, les erreurs de notre vie actuelle qui ont toujours une connexion avec des erreurs encore plus anciennes qui, elles, peut-être se trouvent dans des vies parallèles qui se font dans des temps différents, hein, que l'on appelle donc anciennes incarnations, mais qui sont en fait actuelles dans la réalité de la manifestation du temps, qui est toujours présent, eh bien, on pourra les corriger et, avec l'aide de Dieu, concentrer notre service divin vers cette chose-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le fameux Ramchal, qui était le rabbi Moshe Chaim Lutzato, dont Mordechai Shriki est un très très bon maître dans le domaine du Ramchal, eh bien, c'est une des raisons pour laquelle le Ramchal, dans ce qu'il a donné comme de terminologie, dans Sefer HaGeoula, il dit bien, au moment même où a été détruit le premier temple, le troisième temple a été reconstruit. Ça veut dire qu'il y a omniprésence du temps et de tous les temps dans le même espace-temps présent. Donc, au moment où c'était le passé, hein, au moment dans la ligne que nous suivons, c'était le passé, c'était le premier temple détruit, et bien le troisième temple, qui est le futur, avait déjà été construit. Donc, dites-vous bien que par là, le Ramchal nous annonce quelque chose, mais qui se vérifie parfaitement en valeur numérique, puisque lorsque j'ai rentré la valeur numérique de la première expression qui est « le temple a été détruit », au moment où le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été reconstruit en haut, hein, eh bien, curieusement, ça donne 3000 quelques écrits en lettres, entièrement, c'est-à-dire quand on a écrit la date en lettres, qui est la date de destruction du temple, le premier temple. Donc, c'est confirmé numériquement, voilà. Sans que le Ramchal ait pourtant. Mais bon, il a dit, mais c'est confirmé par le nombre. Voilà. Donc, maintenant, nous allons aller expliquer ce que quelqu'un m'a posé la question, l'alignement. Ben, l'alignement, c'est quand il y a beaucoup plus de planètes, là, il n'y a pas d'alignement spécial, hein. Il y a conjonction, hein, il n'y a pas d'alignement planétaire, il y a tout simplement conjonction entre Mars et la Lune qui se trouve à 2 degrés d'espace, et 2 degrés d'espace, c'est comme si que on divisait le cercle en 180 parties, hein, et que chaque 2 degrés en 2 degrés, c'était une des facettes de ces 180, de ce polygone à 180 facettes qui va représenter la lettre Chine, selon le système de Assia, selon le monde de Assia, puisque nous sommes dans le monde de Assia. N'entrez pas dans tous ces détails parce que vous ne comprendrez pas, il faudra que je vous montre ça plus tard, si vous avez l'occasion, bien sûr, de venir étudier en direct et non pas en différé comme ça ou en virtuel, mais en réalité, avec les textes en face et les tables en face, ça, je pourrais vous montrer ça, mais bon. Là, pour le moment, je me contente de le dire, croyez-moi sur parole, parce que vous savez quand même que je suis assez spécialiste dans ce domaine et j'ai tous les documents derrière moi. Donc, là-dessus, à ce niveau, quiconque veut contrôler peut contrôler. Donc, c'est vrai que c'est la lettre Chine, et la lettre Chine ici va gérer ce qui est correspondant à la chaleur, au feu, à l'énergie, selon le Sefer Yetzirah. Donc, ici, on va dire quoi? Eh bien, il y a effectivement une relation entre Mars et la Lune, c'est-à-dire c'est le grand combat au Moyen-Orient de pratiquement ceux qui font la recherche atomique et la recherche du feu pour faire la guerre. Donc c'est logique, Mars, planète de guerre, se trouve en rétrograde en plus à 2 degrés de la Lune qui va représenter Israël lorsqu'elle est pleine et notamment Yaakov Israël quand il reçoit le nom d'Israël. Et là, la Lune éclipsée par le Soleil, ça va représenter Yaakov qui va passer au stade d'Israël parce que le Soleil se lève. Et le Soleil, si vous voulez, éclipse la Lune quelque part, mais quelque part, c'est pour le renouvellement de la Lune parce que l'autre face de la Lune est complètement éclairée aussi. Nous ne l'oublions pas. Et s'il y a éclipse en mouvement apparent, ça ne veut pas dire que la Lune ne reçoit pas sa plénitude, elle la reçoit, simplement nous ne la voyons pas de la Terre par rapport à l'angle où la chose se fait. Bon, donc ça c'est connu.
cette chose-là est connue. Donc maintenant, à partir du moment où nous voyons cela, l'effet de ce que nous voyons se produit sur les consciences. Puisqu'il est marqué dans la Genèse, Dieu fit les méorotes et les planètes et les astres, donc pour être des signes dans l'évolution et le cours de l'évolution de l'humanité. Donc, ils vont être classés comme signes aussi pour les fêtes, pour les commémorations. Et donc, voilà. Donc, nous avons ici, non pas un alignement planétaire, mais une conjonction entre Mars et la Lune. On sait que les rayons de Mars blessent la Lune, c'est pourquoi on verra peut-être un petit halo rouge quelque part, puisque Mars est la planète rouge. Il est possible qu'on voit un petit halo rouge autour, hein, ce qui va donner l'impression que la Lune saigne quelque part. Donc, quelque part, il faut voir que ça représente vraiment, vraiment et véritablement ce temps où la pierre est tombée pour briser le colosse au pied d'argile et de fer, et que ce colosse-là va s'écrouler avec toute la médiatique pro-islamique occidentale qui existe, et que petit à petit la vérité va se faire et que les vérités réelles vont ressortir et éclore, et qu'il va y avoir une prise de conscience chez l'humanité progressivement de par quoi ils ont été manipulés. Et à partir du moment où cette prise de conscience, eh bien, la vérité peut commencer à se manifester réellement, schlave par schlave, c'est-à-dire domaine par domaine et progressivement. Voilà. Alors maintenant, si on prend le soleil, lui, il est en plein au milieu, à 180 degrés plus loin, vous voyez, il y a une opposition à 180 degrés plus loin dans l'espace de la sphère, telle qu'elle nous est visible. Il est exactement au degré 4 du lion. Donc il est en plein entre le degré 3 et le degré 5 à 180 degrés d'espace, c'est-à-dire avec une orbe de 1 vers l'un et 1 vers l'autre, en opposition. Cette opposition va créer l'effet que l'on va appeler, étant donné que ça se passe sur une longitude qui donne l'impression sur différents points de la Terre de l'éclipse, eh bien, on va voir donc cette notion-là qui va transparaître, c'est-à-dire cette manifestation d'opposition qui va se manifester comme une éclipse. D'accord ? Comme une éclipse. Éclipse totale. Alors, bien sûr, cette chose-là, il faut en tenir compte énormément parce qu'on sait que le Soleil est proche de Procyon, l'étoile Procyon, hein, c'est près de Tsion, pour où Tsion, vas-y, Tsion est clos, hein, Procyon, ça veut dire pour où Tsion, que ça se croise et se multiplie à Tsion. Vous hein, voyez, donc là, l'inversion, ça va être quoi? Ça va être que cette médiatique qui est complètement manipulée par l'inversion de la Lune, parce que n'oublions pas que un peu plus loin que la Lune, il y a Lilith, et que Lilith est au sud de la Lune, pour, comme si elle voulait prendre la place de la pleine Lune qui représente Israël, eh bien ça va représenter l'islam intégriste, qui lui interprète les choses à l'envers. Hein, trompe le monde avec son 666 à la tête et son Iran à la tête qui est ni plus ni moins que le reflet de la politique qui avait commencé avec l'homme dont la valeur numérique est égale à 666, l'Ayatollah Khomeini en hébreu, hein, comme Shemaïch d'ailleurs, je le répète, comme il est un nombre d'hommes, ou Shemaïch, la valeur numérique c'est exactement la même chose. 666, donc quel homme? Ben oui, celui-là, par exemple, dont on a calculé la valeur numérique, qui est une des sept têtes de la bête, et ben voilà, le sceau de la bête, le monde entier est là, parce qu'il est très, très, très pro-iranien, pro-politique iranienne. Presque tous les antisémites de la génération sont des gens qui sont plus ou moins pro-iraniens, pro-islamiques, et qui arrivent à fermer les yeux et à motiver les gens à fermer les yeux de plus en plus. En disant, bah oui,
c'est pas grave, mais ce qui arrive, c'est à cause des sionistes, ces mauvais sionistes qui sont venus, qui ont envahi le territoire palestinien, qui l'ont pris, qui l'ont volé, alors que c'est la terre de Palestine. Cette terre de Palestine, elle s'est appelée Palestine il y a 2000 ans en arrière. Alors pour ça, vous allez en voir, bien sûr, et en subir les conséquences, bien évidemment, parce que 2000 ans en arrière, ça s'appelait pas Palestine, ça s'appelait Israël, et c'est au moment où le deuxième temple a été détruit que les Romains ont donné ordre aux Arabes qui occupaient plus ou moins certains points de la région, et notamment les mercenaires arabes qu'ils ont fait rentrer pour détruire le temple, et notamment le troisième mur, le mur de l'Ouest, qu'on appelle Kotel Maharavi ou mur des Lamentations. C'est précisément ce mur que cette légion-là, qui était arabo-romaine, n'a pas réussi à détruire, parce qu'on a vu, dit le Midrash, qu'ils ont vu un ange avec des clés gardant le temple et disant « ce chose-là restera en témoignage jusqu'à la fin des temps et vous ne le détruirez pas ». Et si la pierre est tombée de là-bas, bon, je sais que certains, par rapport à un manuscrit qu'on a trouvé, ont dit que c'était une pierre qui avait été placée par Jéroboam, une espèce de pierre magique qui représentait l'infiltration de l'idolâtrie dans le temple, dans le premier temple de Salomon. Ben non, il n'y a aucune preuve que c'est cette pierre-là qui est tombée. Il n'y a aucune preuve. Donc moi, pour moi, cette pierre-là, c'est la pierre symbolisée par le livre de Daniel qui dit une pierre qui ne sera pas poussée de main humaine tombera. Peut-être que l'autre pierre, elle est déjà tombée depuis longtemps, ou elle tombera, elle ne tardera pas à tomber quand, bien sûr, d'autres choses tomberont avec. Et notamment des endroits où on dit que ce sont des lieux islamiques. Eh bien, on verra bien qu'est-ce qui se cache derrière ces lieux islamiques. On verra bien que la structure du temple se trouve derrière les carrelages, les beaux carrelages qu'on a mis devant la mosquée, dans la mosquée de Al-Aqsa, dont Jérusalem, dont à l'époque de Moshe Dayan, l'erreur qu'il a pu faire, c'était de donner les clés au mufti de Jérusalem en disant « Tenez, on vous le donne, quand on vous le donne, ne croyez pas qu'on va mourir. » Enfin, bref, ça, tout ça, c'est... Enfin, c'est pour l'opinion publique. Opinion publique qui était déjà complètement détournée par les artisans de la fourberie. Voilà. Voilà. Qui avaient déjà commencé leur propagande bien avant, puisque déjà depuis Hitler, le deuxième antéchrist selon Nostradamus, a bien dit le deuxième antéchrist, un individu nommé Hitler, lèguera son pouvoir au troisième antéchrist et celui-ci fera pire que n'en avaient fait Hitler et Napoléon. Donc, Apollyon, qui s'est symbolisé Napoléon. Alors donc, n'allez pas chercher, qui c'est qui est derrière ça? C'est la génération qui est sortie de M. Arafat, hein, bien sûr, c'était le mufti de Jérusalem de l'époque d'Hitler, et ce fameux mufti de Jérusalem de l'époque d'Hitler, c'est lui qui a reçu son initiation par Hitler, à comment faire de la fausse propagande, comment unifier tous les matériaux qui étaient antérieurs, et on peut dire que là, alors là, ils s'en sont donnés à cœur joie, parce que tout a été réuni. Hein. Alors là, tout le puzzle, le faux puzzle, hein, dont pièce par pièce ça avait été démonté dans l'histoire, hein, et toutes les fausses accusations qui ont été faites contre les Juifs dans l'histoire, eh bien, une par une, elles vont être replacées comme une espèce de puzzle fantastique qu'on a découvert dans cette génération avec la grande fameuse conspiration sioniste internationale, alors que en fait les pauvres juifs, ça faisait plus de 2000 ans qu'ils demandaient à Hachem, à l'Éternel, de retourner dans leur terre et de pouvoir reconstruire comme avant, comme jadis, le temple et pour le bien-être et pour le bienfait de l'humanité tout entière. Voilà, alors bon, alors bien sûr qu'il y a des rabbins hein, plus ou moins intégristes aussi, hein, il ne faut pas se fier forcément à leur dire, hein, mais on ne peut pas dire que ce soit l'avis de tout le monde. La plupart des rabbins ne sont pas intégristes. La plupart des rabbins veulent la paix. Voilà, donc ne vous fiez pas aux dires de rabbins plus ou moins avec des propos intégristes ou inconscients, parce que quelquefois, ils enragent de voir que tous les mensonges qu'on peut raconter sur les Juifs, alors bien sûr, dans leur émotion non contrôlée, si on pourrait dire des fois, hein, et pas maîtrisée, pas assez maîtrisée, eh bien, certains mots dépassent leurs pensées. Mais je ne pense pas que ces gens-là,
irait faire des pogroms contre les chrétiens, contre les arabes, contre quoi que ce soit. Voilà, c'est qu'au niveau du mot, pas plus. Voilà. Donc, mais il ne faut pas qu'on tienne rigueur des mots que ces gens, des fois, un peu pas assez conscients de ce qu'ils disent et de l'implication qu'il peut y avoir dans ce qu'ils disent, peut impliquer comme antisémitisme par la suite ou comme fanatisme de l'autre. Voilà. Voilà, c'est tout. Mettez ça sur le biais des fois de l'inconscience, parce que tous les individus, ça leur arrive, ils ont tous leurs points d'inconscience. Et les meilleurs des individus, ils ont toujours des trous ou ce qu'on appellerait des points d'inconscience dans leur conscience. À nous de faire qu'il y ait le moins possible de trous, de points d'inconscience dans le conscient, mais c'est à nous de veiller, de progressivement boucher tous les trous et en garder un dernier où on canalise toutes les erreurs ou la maximum d'erreurs dedans. Voilà. Et ça, celui-là, on le choisit, comme dit Gurdjieff. Voilà. On choisit. On choisit vers quoi on veut canaliser tous les défauts pour les canaliser pour la plupart, disons, vers un point défaut qu'on met en qui sort. Voilà, c'est comme ça. Vaut mieux choisir son défaut que subir des tas de défauts. Voilà. Voilà. À vous de voir. Voilà. Donc je vous ai dit maintenant ce que je vais faire, c'est je vais vous donner une liste de Tehillim que vous pouvez lire de façon à renforcer les effets de l'éclipse, à renforcer cette force de régénération, à renforcer cette force d'unification, à renforcer cette possibilité de prise de conscience et de réveil de l'humanité par la prise de conscience. Voilà. Alors, bien sûr, vous vous réciterez pour ça, je vais vous donner une petite liste de psaumes, à vous de les copier. Le numéro 15, le psaume numéro 15, le psaume 16, le psaume 28, le psaume 29, le 36 et le 38, le 40, le 60, le 66, le 91, le psaume 101, le psaume 118, le psaume 133 et le psaume 149. Voilà, ce qui fait, je vais vous dire, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 psaumes, voilà. Alors, vous avez 14 psaumes à marquer. Essayez de les faire, si vous ne les faites pas tous, voyez avec vos amis, dites, voilà, tiens, toi tu en fais 4, moi j'en fais 4, lui il en fait 10, il fait les 6 restants, ou alors partagez-vous à 2, faites des coupes, mais arrangez-vous pour les réciter tous, voilà. Et que si vous faites à 2 ou à 3, que le partage se fasse conscient de façon à ce que cette somme-là soit dit. Et vous verrez qu'avec l'aide de Dieu, ça vous aidera, ça aidera l'humanité et ça aidera à la prise de conscience par des hommes de bonne volonté qui vont se multiplier sur la terre. Amen. Pour faire prendre conscience à cette humanité qui crée son propre tohu-bohu, son propre désordre et chaos, parce que tout simplement, elle n'est pas suffisamment éveillée pour être consciente des pièges qu'on lui met sur le chemin. Pièges qui ont été parfaitement avancés et arrangés par des poseurs de pièges et des gens qui sont là, qui connaissent, qui savent où sont les pièges et qui les acceptent, qui acceptent qu'on les mette sur les terrains où ils sont, c'est-à-dire dans les pays où ils sont, parce que on sait les acheter d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et étant donné que la plupart du temps, c'est l'argent qui compte pour ces gens-là, en premier et avant tout, et que tout le reste, ça passe après, alors malheureusement, nous avons l'humanité que nous avons, par l'argent sale. Alors commençons à construire une humanité où l'argent devient propre, et où on construit une nouvelle humanité avec un argent sanctifié, et ça c'est la prina de Machir Ben Yosef,
même si on est déjà dans le temps de Machir Ben David, comme l'a dit le Rav Dinovitch, et effectivement, j'ai confirmé, et c'est vrai, eh bien, certes, mais il y a du Yosef dans David, comme il y a du David dans Yosef, donc ce sera le Machir Ben Yosef de temps de Machir Ben David, ce qui est différent du principe Machir Ben Yosef du temps de Machir Ben Yosef ou Machir Ben David du temps de Machir Ben Yosef. Voilà. Koltouv, amitié à tous, et qu'on arrive au stade ensuite, bien sûr, avec l'aide de Dieu, avec le dévoilement total de ce qu'on appelle Machir Ben David dans le temps et le cycle du Machir Ben David. Koltouv, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à progresser, à faire progresser ça. Transmettez-le de façon à ce que le plus de personnes en bénéficient, et transmettez aussi, si vous pouvez, la première cours que j'ai fait là-dessus, de façon à ce qu'avec ce cours complémentaire au premier cours, il puisse y avoir une idée globale de l'éclipse elle-même et de son implication dans les temps à venir, parce que cette éclipse-là vient signer, si on pourrait dire, l'ouverture d'une nouvelle page dans la notion du temps universel, ce qui est le temps de la régénération de l'humanité pour qu'elle accède à devenir une humanité correcte, qui puisse entrer dans ce qu'on appellerait le royaume de Dieu, qui ne les attend simplement qu'ils soient d'hommes de bonne volonté pour faire ce qu'il faut, de façon à ce que à arrêter toute cette criminalité qui se passe, et de façon à pouvoir respecter l'autre et écouter et se mettre à l'écoute, de façon à pouvoir construire cette nouvelle humanité qui renaît dans un royaume où de nouveaux cieux vont être suspendus au-dessus d'une nouvelle terre. Voilà, que Dieu vous bénisse, à très bientôt, Paul Touffe.